Voici. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je suis prêt. Allons-y. Ils vous ont arraché de vos foyers quand vous étiez libres et amenés ici pour mourir au travail dans les champs. Ils ont massacré nos frères comme des chiens à Sharkia. Et maintenant, ils ont fait d'autres prisonniers. Non ! Plus jamais ça ! Je vous ai promis une nouvelle vie. Je vous ai donné ma parole. D'autres nous rejoignent chaque jour. Des plus modestes aux plus illustres des Bagdadiens. Allah est avec nous. Notre cause est juste. Notre justice triomphera. Dieu est grand. Dieu est grand. Il n'est d'autre Dieu que Dieu. Et Dieu est grand. Il n'est d'autre Dieu que Dieu. Il n'est d'autre Dieu que Dieu. Il n'est d'autre jugement que celui de Dieu. Alors tu sais que ta fin est venue. D'autres vous trouveront. Votre soulèvement échouera. Tu vas te crever. Ton sang va couler pour ton frère. Quand la nouvelle de cette victoire se répandra, beaucoup se rallieront à notre cause. Dohan bin Arslan avait sur lui des ordres. Il devait rendre compte à des supérieurs à la maison des officiers de Sharkia. Ce sont peut-être eux qui ont ordonné les exécutions. Y a-t-il des noms ? Seulement des codes. Al-Rukh et Al-Aishma. Il n'y a que l'ordre pour employer de tels noms. Je vais aller à cette maison voir ce que je peux trouver. Je te souhaite bonne chance. Moi, je dois repartir attendre Béchi. Prudence, Ali. Après cette affaire, le calife vous traquera tous les deux. Si l'on tient à être libre, il est des choses dont on ne peut se cacher. Je dois aller à cette maison des officiers à Sharkia. مع حسن معقلا مستقرا تحت حكم ابراهيم العدو.